Avant de commencer, il est important d'éliminer votre véhicule en tant que coupable. Une fois que vous êtes sûr, vous êtes prêt à dépanner la remorque. La première étape est de vérifier que vous avez une bonne connexion avec le véhicule. Si la connexion est lâche, prenez un tournevis ou un poinçon et écartez un peu les broches et assurez-vous qu'il n'y a pas de corrosion. Si c'est le cas, nettoyez les connecteurs avec une brosse métallique. Une fois que les broches ont été écartées et nettoyées, rebranchez le connecteur. Vérifiez vos feux et déterminez si le problème a été résolu. Allumez ensuite vos phares. Si vos phares ne fonctionnent toujours pas, l'étape suivante consiste à vérifier les connexions des feux. Pour ce faire, saisissez et retirez le boîtier des feux hors du passe-câble en caoutchouc et débranchez-le, puis rebranchez-le en vous assurant que la connexion est bien fixée. Si les feux ne fonctionnent toujours pas, il faudra donc déterminer si le problème est une ampoule grillée ou un court-circuit dans le faisceau de fil. Ampoule grillée. Le moyen le plus simple de vérifier si l'ampoule est grillée est de remplacer l'ampoule grillée par une nouvelle ampoule. Vous devez effectuer cette tâche avec les feux éteints. Si vous le faites avec les feux allumés, vous risquez de faire sauter un fusible dans votre véhicule. Revenez au feu qui ne fonctionne pas et remplacez l'ampoule. Si ça marche, vous savez qu'il s'agit de l'ampoule. Vous pouvez acheter une nouvelle ampoule sur westbrooktrailerparts.com ou auprès de votre détaillant de pièces automobiles local. Faisceau de fil. Si cela ne résout pas le problème, alors le problème vient du faisceau de fil et vous devez déterminer quel fil est à l'origine du problème. Commencez par identifier les fils par couleur et à quelle fonction ils sont connectés. Le fil marron est pour les feux de route. Le fil jaune est pour le feu de freinage et le clignotant gauche, côté conducteur. Le fil vert est pour le feu de freinage et le clignotant droit, côté passager. Puisque le feu de freinage et le clignotant fonctionnent sur le même fil, si le feu de freinage ou le clignotant fonctionne, le problème vient du véhicule. Fil blanc, la terre de la remorque. Si vous avez déterminé que le problème vient du faisceau de fil, appelez le service à la clientèle de Westbrook pour obtenir de l'aide.